Si vous avez envie d'acheter un jeu Sims et que vous voulez me soutenir en même temps, je vous rappelle que vous pouvez introduire mon code BELLEPEINTE au moment de votre paiement sur l'IA App ou Origin dans la partie code promotionnel. Un tout grand merci à ceux qui me soutiennent et qui me soutiendront. Bonne vidéo! Mesdames et messieurs, je vous présente enfin mon château Grandus. Oui, parce qu'en fait, il y a une semaine et demie, deux semaines, je vous avais présenté la version Minus. Et dans cette version-là, on avait fait un tout petit château avec seulement le kit château de caractère. Hein. C'est grâce à sa sortie que j'arrête pas de faire des châteaux ici. Enfin, que j'arrête pas. C'est que le deuxième, hein. Restons calmes. Je pourrais en faire plus. Et donc, dans la première version, je n'avais utilisé que le kit et le jeu de base. Alors qu'ici, je vais me lâcher. Vraiment, je vais utiliser tout ce que j'ai. Enfin, je vous l'accorde que pour l'extérieur, je me suis quand même pas mal restreinte. Enfin, non, en fait, je me suis même pas restreinte. C'est juste que ça allait de soi d'utiliser ces packs-là. J'ai surtout utilisé, en fait, le pack Vivre Ensemble. D'ailleurs, je construis dans la ville qui vient avec ce pack. Hein. On est à Windenburg ici. Sur un terrain de 64 par 64 carreaux. C'est le plus grand terrain qu'on puisse avoir dans le jeu. Et ici, on est sur une falaise. Mais une falaise magnifique, hein, avec une lumière du soir ici, c'est trop beau. Vous allez voir sur le château quand il sera construit, hein, bon, ça va venir. Là, on est qu'au tout début avec le petit pont et tout. Le petit pont, ça fait trop château, j'adore ça. Oh, j'avais trop hâte de le faire. Et c'est pour ça, hein, qu'il me fallait un très très grand terrain. Il me fallait un grand terrain pour pouvoir faire une petite colline, hein, qui est pas si petite que ça, mais en soi, elle est pas immense. Ça va pas me permettre de faire un château monstrueux, mais j'étais obligée d'avoir une colline. Franchement, qui n'imagine pas un château sur sa petite colline? Enfin, je veux dire, on a tous été bercés par des contes et des histoires comme ça, avec des châteaux sur des collines et tout, et entourés de leurs petits villages et tout ça, et même ça, je vais le faire, ouais, je vais faire un petit village. Sur le côté gauche, en fait, vous voyez, il y a un petit peu de place, et ben je vais en profiter pour faire 2-3 maisons. Et c'est pour ça que j'ai eu une idée ensuite, oui, parce que je me suis dit, oui, c'est génial d'avoir un grand château, mais quel serait finalement l'intérêt d'avoir d'autres petites maisons dans le bas? Ça servirait pas à grand chose, sauf si j'en fais des locations, et oui! Donc voilà, j'imagine que les propriétaires vont vivre dans le château et qu'ils loueront du coup les petites maisons de village dans le bas. C'est pas génial? Oh, moi je trouve ça une trop bonne idée! J'ai trop hâte de créer des personnages qui iront dedans, franchement. Mais en fait, ça oui aussi, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous préférez que je fasse un intérieur plus classique, moderne? Ou est-ce que vous voulez un côté médiéval, pas que pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez de l'authenticité? Ou plutôt des intérieurs mis au goût du jour? Franchement, on pourrait imaginer. J'arrive pas trop encore à me décider. Vous vous doutez bien ici que si je vous pose la question, c'est que pour le moment, je n'ai fait que l'extérieur, hein, voilà. Mais vous allez voir, je me suis pas moqué de vous au niveau de l'extérieur. J'ai vraiment mis un max de détails et tout ça, je me suis appliquée. Comme je disais sur un post Instagram, j'ai mis toute mon âme. Vraiment, j'ai mis toute mon âme. J'ai pris le temps et tout ça. Oh, ça a fait du bien de prendre son temps. Bon, par contre, du coup, oui, j'ai rien sorti la semaine dernière. Donc oui, ça fait du bien à l'esprit, mais pas forcément à la chaîne. Mais voilà, un montage avec des rushs de plus de 5 heures, presque 6 heures, ça prend du temps. Hein. Bon, j'avoue, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. J'ai pris finalement beaucoup de temps aussi hors caméra pour peaufiner aussi des détails. Mais je vous montrerai tout ça à la fin aussi, hein, vous inquiétez pas, parce que oui, au niveau de l'extérieur, je vais pas tout montrer, je montre le début, mais je vous montrerai bien le résultat final après. Et sur Insta, j'ai eu un message qui disait qu'une personne était prête à attendre encore un peu plus, si ça pouvait me permettre en plus de raconter une histoire. Mais ici, je suis en train de tourner la voix off, on est mardi soir, donc j'ai pas le temps. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous lire une histoire, mais lire une histoire que j'ai écrite, hein, bien sûr, c'est une histoire qui date par contre. Oh, je l'ai écrite il y a 8 ans, oh, c'est si loin, si loin. C'était à la fin de mes premières études, oui, parce que je me suis un peu perdue, hein, niveau de mes études, et ces études-là, je les détestais et tout. Par contre, je regrette pas de les avoir faites, parce qu'en fait, je les avais choisies pour régler un de mes problèmes, c'est-à-dire que j'étais particulièrement mauvaise en orthographe, mais genre, quand je dis mauvaise, c'est très mauvaise. Je pouvais pas écrire une phrase sans faire 3 fautes d'orthographe. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et puisque mes parents tenaient absolument à ce que je fasse des études, bah, je me suis dit, bah, on va faire quelque chose qui va peut-être me servir, et par la force des choses, bah, j'ai décidé d'étudier le français. Mais bon, en soi, moi, de base, je voulais ouvrir ma petite sandwicherie, j'avais pas du tout envie de reprendre des études. Oui, parce que j'avais essayé juste un an avant en essayant le droit, j'ai pas du tout aimé, c'était vraiment pas pour moi. Mais je dois relativiser quand même, hein, parce que je regrette pas d'avoir fait ces études. Bah, en premier lieu, parce que ça m'a permis aussi de vachement m'améliorer au niveau de l'orthographe, c'est pas encore parfait, hein, mais disons que c'est clairement moins calamiteux qu'avant. Et puis surtout, deuxième point le plus important, je dirais, c'est là-bas que j'ai rencontré mes 3 meilleurs amis, donc franchement, ça tombait bien. Et c'est marrant parce que sur notre petit groupe de 4, il y a qu'une seule personne qui continue dans ce milieu. Ah là là, on se cherchait tous au final, hein. Et moi, je savais déjà tellement que c'était pas ce que je voulais faire que franchement, j'ai pris ces études par-dessus la jambe, c'est de l'abus. Parce que l'histoire dont je vous parle ici, c'est un petit conte, mais en fait, c'était un conte qui faisait partie d'une grosse histoire. Une histoire de plus de 342 pages que j'ai écrite, bien sûr, pendant mes études, au lieu d'étudier et de travailler sur mon travail.
travail de fin d'études. Est-ce que j'ai raté mon travail de fin d'études? Bien sûr que oui. Je me souviens quand le jury m'a annoncé que bah, c'était pas suffisant, que j'allais avoir 9 sur 20, ce qui voulait dire un échec, que je pouvais pas réussir mon année. C'était la dernière année en plus, donc j'étais arrêtée vraiment juste à la fin. Alors que je voulais juste que ces études soient derrière moi, j'en avais tellement rien à faire. Je savais que j'allais pas faire ce métier et tout. Je savais pas encore ce que j'allais faire, mais bon, 2 ans plus tard, j'ai créé la chaîne et on sait ce qui s'est passé finalement. Mais sur le coup, oui, j'étais dévastée. Ça voulait dire devoir retravailler sur ce travail de fin d'études alors que j'en avais plus rien à faire et devoir faire ça encore pendant juillet et août, alors pour moi, c'était fini. Et je me souviens avoir dit à mon professeur et au jury que non, même si on me laissait plus de temps, je retravaillerais pas ce travail de fin d'études. Pour moi, il était fini, qu'importe le résultat. J'étais là, ok, me donnez pas le diplôme, tant pis quoi. J'en avais tellement rien à faire. Alors je savais que ça aurait vraiment fait de la peine à mes parents, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix pour soi et pas pour ses parents, bon voilà. Et je me souviens de ma prof qui était là, non mais il n'y a pas grand chose à faire pour que ce soit bien, franchement. J'étais là, oui, mais même un peu, non, je peux pas. Bon, il n'y avait pas que le fait que j'avais pas envie de faire ces études et que avoir ce diplôme ne m'intéressait pas. J'avais aussi une situation familiale à ce moment-là qui était très compliquée et je me voyais pas me mettre cette pression-là en plus, alors que je savais que j'allais passer des mois compliqués par la suite, quoi. Et donc j'ai juste dit non. Que je le ferais pas, et que c'était triste, hein, que j'aurais pas ce diplôme, mais tant pis, quoi. Donc je suis partie comme ça, finalement, assez déçue. Bon, en même temps, c'était pas une grosse surprise, hein. J'avais fait ce travail d'études sur les 2 semaines qui restaient avant la date de remise, alors que c'était un travail qu'on était censé faire sur toute une année, en allant interroger des gens, en faisant des recherches, ce que clairement, je n'ai pas fait. Donc je méritais bien ce 9 sur 20, c'était d'ailleurs encore assez généreux. Mais non, au lieu d'étudier pour mes examens et de travailler sur mon travail de fin d'études, j'ai décidé d'écrire une histoire de 342 pages. Ça m'a pris, je pense, 9 mois. J'écrivais presque jour et nuit, j'adorais ça. Franchement, j'étais en transe, j'ai adoré. Par contre, l'histoire, au final, elle était nulle, mais j'ai adoré le processus, par contre. Hein. Enfin voilà, je passais des moments difficiles et j'ai fait un choix, et je pense que m'évader dans un univers parallèle, tout créé de toutes pièces, ça m'aidait plus que de travailler sur un travail de fin d'études pour des études que j'aimais pas, voilà. Après, évidemment, il faut assumer ses choix, hein. Bon, là, c'est plus compliqué. Mais heureusement, 2 jours plus tard, ma prof est venue et m'a finalement dit que c'est bon, ça passait. Normalement, je pouvais pas réussir sans avoir réussi ce travail de fin d'études. Mais là, vu ma condition et surtout le fait que j'avais eu des distinctions toutes les autres années, ils se sont dit « Ok, ça passe !» Mais j'ai vraiment eu beaucoup de bol sur ce coup-là, quoi. Ah, clairement, je le méritais pas ce diplôme, hein, clairement. Oh là là, mais je vous raconte ma vie, sérieux. En fait, j'ai vu que j'avais 27 minutes de vidéo, et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais raconter et tout pendant 27 minutes ?» Et puis, je me suis souvenue que quelqu'un m'avait dit en commentaire que, franchement, c'était désagréable et tout, ma diarrhée verbale, là, et tout. Et je me suis dit « Bah, ça allait aller tout seul, en fait, finalement. » Et oui, ça vient tout seul. J'espère que cette diarrhée verbale vous dérange pas trop. Ah, ça m'avait fait si rire, ce commentaire. Bon, c'est vrai que sinon, je pourrais simplement vous parler de la construction, hein, au lieu de raconter tout et n'importe quoi. Sûrement des choses qui vous intéressent pas aussi. Mais c'est peut-être aussi porteur d'un message, hein, ce que je vous raconte. Vous pouvez peut-être vous perdre au niveau de vos études, ne pas trop savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Vous pouvez un peu vous chercher et tout ça. Mais vous allez quand même en retirer quelque chose de toutes ces expériences. Regardez, moi, mes amis et tout ça, une orthographe un petit peu plus clean. C'est pas négligeable. Mais pour ce qui est de la construction, oui, je voulais encore vous parler de 2-3 choses. Vous avez vu que j'ai entouré ma petite colline d'un point d'eau. Je trouve ça très très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas encore vérifié par contre si le petit pont était effectivement fonctionnel ou pas. Normalement ça devrait, je vois pas ce qui devrait gêner. Mais si c'est pas le cas, bon il changera peut-être un peu de forme. Il aura une forme plus triangulaire vu qu'il est en diagonale. Et donc si je fais une forme triangulaire sur les bords, là je pourrais mettre des escaliers sur les côtés. Parce que malheureusement dans les Sims 4 on ne peut pas mettre d'escalier en diagonale. Donc il faut un peu ruser. Et si mon petit pont n'est pas fonctionnel ici, je serais obligée de faire ça. Mais je pense que ça devrait être bon puisque j'ai mis la terre vraiment à hauteur du pont, donc franchement je vois pas ce qui pourrait bugger. Mais bon, on sait jamais, j'ai parfois des bugs en construction, ça m'est déjà arrivé, donc je vais vérifier évidemment avant de vous poster tout ça, ne vous en faites pas, je vous mettrai pas une construction buggée sur la galerie, j'espère, parce que ça m'est déjà arrivé, mais à coup pas. Je vous demande pardon pour ça. Parfois je vérifie pas tout et je me rends pas compte de certains bugs, alors que c'est souvent facilement réglable en plus, hein, c'est juste que je fais pas gaffe. Et pour en revenir au point d'eau, je vais vraiment beaucoup l'agrémenter de plantes et tout, qu'on va voir, que je vais poser un peu sur les côtés, partout. Et je vais vraiment utiliser toutes des plantes qu'on a autour du terrain. Donc les arbres, l'herbe qu'il y a par terre aussi. Je vais vraiment utiliser tout ce qu'il y a autour pour que ça dénote pas. Et je pense sincèrement que le terrain se fond quand même dans le décor. C'était mon objectif. J'ai même essayé aussi, mais ça on le verra bien plus tard je pense, de faire les mêmes petits chemins que ce qu'on voit sur l'extérieur du terrain. Bon, c'est pas vraiment des chemins, mais c'est des... on voit que c'est des passages où
les Sims ont un peu plus marché, c'est un peu plus clair. Ben, je vais faire exactement ça pour arriver au château, mais aussi arriver à la partie village, qu'on verra là aussi bien plus tard. Et en ce qui concerne la forme du château, j'y ai vraiment été au feeling, hein. C'est un peu aléatoire parfois, même si je trouve que le résultat est plutôt sympa. Je veux dire que j'avais pas une image de référence que j'ai essayé de suivre absolument. Là, j'avais plutôt téléchargé pas mal d'images et tout ça, et bon bah je vais faire un mélange plus ou moins concluant, on verra ce que vous en pensez sur la fin. Ça va aller tout de suite mieux quand j'aurai fini de mettre les fenêtres, je sais pas pourquoi j'ai tant tardé et tout, on n'y est toujours pas là dans la construction, mais vous allez voir, ça va quand même tout changer. Surtout que je vais ajuster la couleur des fenêtres à la texture des murs, ça rendra vachement mieux. Moi je trouve, ça donne un côté sympa, ça donne un côté aussi un peu plus germanique au château, je sais pas si c'est la bonne déco, la bonne architecture, j'en sais rien. Je suis nulle en architecture, j'y connais rien et tout, hein. Moi j'y vais au feeling avec ce que j'ai déjà pu voir. J'aime bien me faire des images mentales du monde et puis je sais plus d'où tout vient, donc c'est un mélange de tout. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pour mon château Minus, j'avais déjà fait un mélange avec du bois et de la pierre et je trouve ça vraiment très adéquat. Et surtout c'est parce que je suis tombée sur une constructrice que je connaissais pas du tout, j'ai juste vu un petit château passer comme ça. Et c'était justement un château de type germanique et la créatrice c'est assez Sims. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement construction incroyable et tout, ça m'a vachement inspirée aussi. Enfin ça m'a surtout confirmé que finalement mettre du bois et tout avec de la pierre c'est sympa, même si je sais qu'il y en avait certains qui avaient pas aimé dans mon petit château Minus. Là de tomber sur ses créations à elle, ça m'a convaincue. Et elle s'était aussi fait un tout petit château mais sur une colline, c'était magnifique. Franchement je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et moi je savais que je voulais faire un château sur une colline, mais quand j'ai vu le sien je me suis dit que j'allais faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé 3 fois ce château aussi, hein, décidément. Pareil pour le premier, mon petit château Minus, mais là je pense que pour le Minus j'ai recommencé 4 fois. Et je galère à faire des châteaux, c'est fou. Je perds du temps. Et après vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de vidéo et tout ça, mais je suis une vraie pirouette, hein, quand je construis. Parce que là on dirait que ça a l'air tout simple et tout, mais c'est la magie du montage, n'oubliez jamais. Parce que sans ça, je galère surtout, je recommence 3 fois les aménagements et tout ça. Et surtout ici, j'ai aussi galéré pour l'aménagement intérieur, faire mes pièces et tout ça. Quand on place des fenêtres et tout, faire les pièces ensuite, c'est parfois un peu galère, hein. Mais bon, je trouve que le résultat final est plutôt sympa, mais je vous montrerai ça évidemment plus précisément à la fin. Je vous expliquerai aussi quelles fonctions j'imagine pour telle et telle pièce, et en commentaire vous me direz si ça vous convient ou pas, ou si vous avez de meilleures idées auxquelles je ne penserai peut-être pas. Ça arrive souvent aussi, hein, ça. Et d'ailleurs ne paniquez pas, hein, même si j'ai mis de la pierre partout à l'intérieur, et parfois juste aussi du bois, des colombages, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. J'ai mis que ça à l'intérieur, mais ça peut totalement changer si vous préférez qu'on fasse un intérieur beaucoup plus actuel, hein. Là évidemment c'est un aspect très médiéval, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser les murs en pierre et tout ça, assez brut et tout, et faire une déco qui sort totalement de l'ordinaire, qui explose peut-être au niveau des couleurs, ou même pas forcément au niveau des couleurs, mais des textures, enfin je sais pas, on peut imaginer, ça peut être sympa, hein. Je ferai peut-être mon choix en fonction de ce que vous me direz aussi, hein, c'est sûr. Là, on est mardi soir, j'ai pas commencé la déco intérieure, donc vous avez encore le temps de m'en parler. Bon, j'ai encore des choses à dire sur la construction, mais puisqu'elle n'avance pas si vite ici dans la vidéo, ou alors que je parle trop vite, au choix, comme vous voulez. Et ben je me dis qu'en attendant, ben, je pourrais peut-être vous lire le petit conte que j'ai écrit il y a de cela 8 ans. J'espère que ça vous mettra bien dans l'ambiance, hein, parce que franchement ce château, il s'y prête tellement, ça pourrait être tellement lui. Si ça se trouve, c'est même lui que j'avais imaginé il y a 8 ans, j'en sais rien, c'est peut-être pour ça qu'il a été si clair dans mon esprit et que je l'ai recommencé 3 fois. Il était donc pas si clair que ça. Allez, c'est parti. Il était une fois un roi qui possédait de nombreuses terres fertiles, une femme de très bons conseils, ainsi qu'un peuple heureux et en bonne santé. Mais par malheur, son pouvoir, puisqu'important, était convoité par de vils voisins. Cela le rendait si préoccupé qu'il finit par convier l'envieux roi ennemi afin de maintenir la paix entre leurs deux nations. Accueilli en grande cérémonie, tout fut mis en place pour satisfaire cet invité. Pendant 3 jours, ce ne fut que bal, festin et autres joyeusetés. Jamais on ne vit un tel déferlement d'attention. Tout se passa tellement bien que le roi ennemi finit par apprécier le bon roi et accepta bientôt de lier leurs deux avenirs, mais cette fois-ci sans se laisser tenter par la violence. Puisque le bon roi avait un fils et le roi ennemi une fille, il fut convenu de les marier au plus tôt. Le soir venu, et devant des témoins royaux d'autres comtés, ils purent se serrer la main en tant que membres de la même famille. Le roi ennemi rentra chez lui en emportant les jeunes époux, afin de les présenter à son propre peuple, et le bon roi dormit sereinement en sachant le conflit apaisé.
Cependant, ce que ne savait pas le bon roi, c'était que la fille du roi ennemi n'avait pas toute sa raison. Par chez elle, il se disait qu'à son passage, les gens disparaissaient. Que devenait-il ? Personne ne le savait. Et si quelqu'un venait à s'en douter, il n'avait jamais le temps d'en parler. Car si la fille était dérangée, le père ne l'aimait que d'autant plus et cherchait par tous les moyens à la protéger de la colère populaire. Un jour où le bon roi s'adonnait à la chasse, l'un de ses messagers vint interrompre ce moment d'allégresse pour lui apprendre une terrible nouvelle. Son cher fils avait été retrouvé la gorge tranchée dans les écuries du roi ennemi. Et celui-ci se désolait de l'incident en lui assurant sa sympathie et en lui promettant enquête. Accablé, le bon roi et sa femme se déplacèrent pour récupérer la dépouille de leur fils. À leur arrivée, le roi ennemi et sa fille portaient les vêtements du deuil. Mais leur visage était loin d'exprimer la même chose. Là où le père semblait sincèrement désolé, la fille conservait un sourire malicieux. La femme du bon roi s'en offusqua, et une fois seule, elle dit à son mari qu'il serait peut-être bon de mener leur enquête de leur côté. Le bon roi y consentit, et en secret, ils firent venir une espionne. Celle-ci se montra si habile qu'elle découvrit rapidement ce que le roi ennemi tenait tant à garder secret. Elle conta l'affaire au bon roi, et celui-ci entra dans une rage telle qu'il demanda aussitôt la tête de la jeune veuve. Son père refusa de la lui livrer et promit la guerre s'il tentait de l'atteindre par un quelconque autre moyen. Mais rien ne pouvait calmer la colère du bon roi et il passa outre cette promesse. Le bon roi, qui tenait son royaume non pas du sang mais bien de son aptitude à jouer avec la magie, avait déjà usé de celle-ci pour chasser les anciens maîtres de ce même territoire. Persuadé d'être meilleur, il s'était emparé du pouvoir par la force et avait soulagé le peuple jusqu'alors opprimé. À présent que les années avaient passé et que son étude magique avait progressé, il décida de se venger par ce même biais. Sous le conseil de sa femme, le bon roi s'était assuré l'allégeance d'autres seigneurs le soir des fiançailles de leur fils. Ainsi, si les intentions du roi ennemi n'avaient pas été aussi louables qu'il l'avait affirmé, le bon roi ne serait pas seul à lui déclarer la guerre le moment venu. Et c'était justement sur ce détail qu'il comptait pour assouvir son besoin de vengeance. Accoutumé à la magie et aux créatures fantastiques, il chercha pendant plusieurs mois la trace d'un faune. Marchant de sable des forêts, cet être mi-homme mi-bouc pouvait d'un simple son de flûte endormir tous ceux qui entendaient sa douce mélodie. Le bon roi s'était beaucoup intéressé à cette créature mythique et il avait fini par élaborer une théorie qu'il comptait vérifier en mettant son plan à exécution. Sous prétexte de calmer la rancœur qui s'était établie entre les deux familles, le bon roi invita une seconde fois le roi ennemi. Ce dernier accepta, mais fut cette fois-ci accompagné de bonnes gardes. Encore une fois, on prépara son arrivée avec soin, et le bon roi ne laissa rien paraître de ses sombres desseins. Il insista même pour qu'un festin digne des plus grands événements soit préparé. Repu et assommé par la fatigue, chacun retourna dans sa chambre, mais l'un sans se douter que cette nuit serait sa dernière en tant qu'homme libre. Avec la plus grande discrétion, le bon roi descendit dans les étables où l'attendait le faune qu'il avait récemment capturé. Il le tua avant de cacher son corps sous la paille et se donna la mort quelques instants plus tard. Sa femme vint ensuite s'assurer que le sang du bon roi entrait bien en contact avec le corps du faune. Car ce qu'ignorait la population non initiée, c'était que les capacités du faune changeaient radicalement si le sang de son meurtrier venait à le toucher dans les heures qui suivaient sa mort. La nuit qui succédait ce double décès, le faune se relevait pour jouer de la flûte, mais cette fois-ci en réveillant les morts. Cependant, il ne s'agissait que de présomption, et la femme du bon roi n'eut pas grand mal à feindre le chagrin lorsqu'elle signala sa mort dans tout le château. Les soldats massacrèrent la garde du roi ennemi et ils enfermèrent ce dernier dans l'attente d'un procès. Avertis de cette haute trahison, les royaumes voisins déclarèrent la guerre au roi ennemi et bientôt son peuple fut décimé, son château brûlé et sa fille pendue. Le bon roi revint d'entre les morts la nuit qui suivit son soi-disant meurtre, avec la satisfaction de découvrir son ennemi à terre. Néanmoins, l'armée du roi ennemi opposa une certaine résistance, et des alliés inattendus vinrent occasionner de nombreuses pertes humaines dans le royaume du bon roi. Des villages entiers furent rasés, et les cultures furent, pour la majorité, définitivement perdues.
Lorsque le bon roi se dévoila sain et sauf à son royaume, loin de le soulager, celui-ci se souleva en constatant que la raison de leur malheur n'avait été finalement qu'un malentendu. Le bon roi, sa femme et le roi ennemi périrent de faim quand le château fut assiégé et qu'on ne leur laissa aucune chance de s'échapper. Piégés, il ne fallut que 2 mois pour que les ennemis viennent définitivement gonfler les rangs de la mort. Parce que la vengeance est mère de désastre, nous devons nous faire humbles devant le pardon. A contrario, son irrationalité nous aveuglera, condamnant les rivaux et frappant les innocents sans distinction. Voilà, ça c'était un petit conte que j'ai écrit il y a plus de 8 ans. C'était censé être un conte initiatique, à l'ancienne quoi, voilà. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais peut-être moins qu'un autre passage. J'ai écrit une toute petite chanson d'un voleur. Ça m'avait fait trop rire, ça aussi. Parfois, quand je repense à cette histoire, je me dis que ça pourrait être sympa d'un jour vous lire tout ça. Bon, ok, ça fait 342 pages, donc on serait parti sur un très très long projet. Mais ça pourrait être sympa de partager cette histoire d'une certaine façon, même si au final, en effet, elle est pas incroyable. Je pense qu'il faudrait énormément la retravailler pour que ça soit intéressant. Et c'est une étape qui demanderait, à mon avis, tellement de temps que je me dis que ce serait peut-être plus simple de réécrire une autre histoire. Hein, mais... Ou alors de la réécrire complètement et de totalement changer le scénario aussi, pourquoi pas. Mais il y a plein de personnages que j'ai écrits dans cette histoire que j'adore, que j'aime particulièrement. D'ailleurs, j'ai emprunté mon pseudo à l'un des personnages. Hein. Parce que 2 ans après, quand j'ai ouvert la chaîne et tout, je me suis dit, mais tiens, il me faut un pseudo en fait, je prends quoi? Et du coup, j'ai ouvert la liste des personnages de cette histoire, j'ai pioché au hasard, et je suis tombée sur Bellepinte, qui était la barmaid de mon histoire. Une toute petite femme obèse à la taille de guêpe. Oui, je l'imaginais avec un corset un peu trop serré. C'était un personnage totalement secondaire, mais je me suis dit, comme pseudo, c'était parfait en fait. Vu que je suis belge, belle pinte, une pinte de bière, c'était excellent, non? Alors que j'aime même pas la bière, sérieux. J'ai encore parfois des questions sur mon pseudo, alors que je l'ai déjà expliqué, mais il y a très très longtemps. Donc voilà, peut-être que ça rafraîchira la mémoire de certains, ou que ça apportera un éclairage à ceux qui ne savaient pas. Parce que je me souviens même plus quand j'en ai parlé. Je pense que ça fait des années, hein, au début de la chaîne en plus. Bah ouais, tout à fait. Je crois que ça devait être dans la seule FAQ que j'ai faite sur la chaîne. J'en ai pas fait beaucoup plus. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai raconté plus de choses sur moi dans cette vidéo ici, de ce château, que dans cette FAQ au final. Mais je vois qu'on arrive enfin à la construction de mes petites maisons de village, là. J'avais trop envie de vous en parler parce que franchement, je les adore. J'adore ce petit coin, c'est vraiment un mini petit village. Et alors, vous verrez, au milieu, il y aura une petite place, enfin une petite placette plutôt, parce que c'est tellement petit, ça ne mérite pas le nom de place, hein, franchement. Place, ça paraît grand et tout ça, la grande place, tout ça. Non, non, là, c'est vraiment beaucoup plus petit que ça. Surtout qu'il n'y a pas vraiment non plus de vrai chemin. Comme je vous le disais, je vais bientôt créer ici les petits chemins, exactement comme ce qu'on a tout autour sur le terrain extérieur. Enfin, sur ce qui n'appartient pas à mon terrain. Et alors, aussi, de base, j'étais partie sur des fenêtres qui viennent avec Vivre Ensemble. Donc, ça fonctionnait super bien, je trouve. Mais finalement, après, je me suis décidée plutôt pour des fenêtres qui viennent avec Vie à la campagne, parce qu'elles sont beaucoup plus détaillées. Et surtout, elles ont aussi ce petit côté vitre en croisillon, là, comme on voit sur les plus petites fenêtres de Vivre Ensemble. Celles-là, je les aimais beaucoup, en plus elles avaient des petits volets sur les côtés. Et donc j'ai voulu que finalement toutes les fenêtres aient plutôt cet aspect-là, avec des carreaux. Mais globalement, ça change très peu de choses, hein, je vous montrerai ça à la fin. Et donc ces 3 petites maisons seront donc 3 logements différents. Et ça, franchement, je trouve que ça rend l'ensemble finalement plus intéressant. Parce que tous les extérieurs, y compris les extérieurs du château, je les imagine comme des lieux plutôt en commun. Et d'ailleurs, sur la plus grande place du château, tout au-dessus, je me dis que je pourrais faire un lieu de mariage. Donc comme ça, même les villageois pourraient totalement venir se marier dans le château tout au-dessus. Ce serait totalement faisable, et il n'y aurait finalement que le château en lui-même qui serait totalement privé. Et c'est pas un choix que je fais en imaginant les propriétaires comme particulièrement altruistes, hein, non, c'est pas ça. C'est juste que si je rends privé toute cette zone-là, bah on les verra pas en fait si on habite dans les petites maisons du village, vu qu'elles disparaissent, comme si c'était des pièces à l'intérieur, quoi. On ne voit pas tous les autres logements quand on a des locations. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de problème que finalement les extérieurs du château ne seront pas privés. Ah voilà, je passe enfin à la création des petits chemins. Ça tombait bien parce que je vous en parle depuis le début et donc ce serait bien de voir à quoi ça ressemble, et c'est exactement à ça que ça ressemble. Au final, vous voyez, j'ai essayé de vraiment jouer avec l'outil de terrain, donc là je suis passée avec un effet gomme et tout pour avoir des côtés au petit chemin un peu moins net, exactement comme ce qu'on a autour. C'était pas très facile à faire, je sais pas si j'ai réussi au final ou pas. Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux.
il me semble que j'avais déjà fait mieux d'ailleurs, enfin plus ressemblant à ce qu'il y avait autour sur d'autres terrains. Par exemple, la petite maison invisible que j'avais faite là, j'avais essayé de copier les alentours et là, franchement, je trouvais que ça marchait super bien. Alors que ici, bon, j'ai fait ce que je pouvais, mais il y a certains endroits où je trouve que c'est plus concluant que d'autres. Mais voilà, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Franchement, je me suis amusée, j'avais l'impression de peindre. Alors que je suis nulle en peinture, hein, j'ai jamais vraiment testé la peinture, mais alors là, c'est si facile sur les Sims, ça donne trop envie. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui essayent de peindre finalement avec ces peintures, mais en faisant du pixel art là. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est trop cool. J'adore le résultat. Et ça, il faut être tellement patient pour ce genre de choses. Je sais pas si j'aurais la patience moi personnellement. Je sais pas, je crois pas. Alors au niveau des petites maisons, vous voyez qu'il y en a trois et il y en a une, donc celle du milieu qui est à côté de la petite maison plus noire, plus sombre. Et ben celle-là, pour le moment, l'étage n'est pas accessible. Et donc je m'en suis rendu compte un peu tard vu que j'avais fait des étables sur le bas de sa maison. Ce qui fait que j'ai décidé que la partie prairie là dans le coin serait aussi l'entrée pour cette maison là. Et ça vous le verrez pas parce que je pense que je l'ai ajouté hors caméra, mais j'ai ajouté donc un escalier extérieur pour arriver aux zones d'habitation de ce côté là. Donc voilà, donc on a trois parties, trois maisons, et je pense qu'il y a seulement une des maisons qui a trois chambres, et les autres, je me souviens plus, je pense qu'elles ont toutes les deux une seule chambre, ou alors il y en a une qui a quand même deux chambres aussi. Possible, faudrait que je vois. Enfin, en tout cas, on verra ça directement quand on fera la petite visite de fin. Ne vous en faites pas, je vous montrerai tout en détail. Et bien sûr, pour rendre cette petite place du village un peu plus réaliste, j'ai ajouté un arbre et une petite fontaine. C'est une fontaine qui vient du débogage, et du débogage plus précisément de Vio Ranch. Et je sais pas si elle est fonctionnelle, je crois que oui, mais il faudrait que je vérifie. Mais je trouve que ça donne trop bien, ça fait vraiment petite place du village. Et aussi, hors caméra, vous allez voir que j'ai ajouté d'autres choses, dont par exemple des petits établis. Enfin non, pas des établis, comment on appelle ça? Une sorte de charrette de présentoir là qui vient avec dans la jungle. Et ça fonctionne tellement bien, franchement j'adore. Hâte de vous montrer ça. Oh mais d'ailleurs on y est bientôt. Oh, mais c'est dur hein, de parler pendant 27 minutes, sérieux. Heureusement que j'avais une petite histoire à vous lire, parce que sans ça, franchement, j'aurais eu du mal, hein. Enfin bon, donc comme vous voyez, je trouvais que au final, sur la droite, ça paraissait un peu vide et tout, donc j'ai rajouté en dernière minute une tour supplémentaire avec un petit balcon, là, je trouve ça très sympa. Elle sera absolument pas fonctionnelle, hein, parce que ce sera pas accessible. Il aurait fallu pour ça que je mette un petit escalier, une mini-porte et tout, mais c'est compliqué, hein, dans les tours rondes. Cet arrondi, là, c'est super gênant et tout, on sait rien mettre et tout, franchement, en galère. D'ailleurs, à l'intérieur, ça m'a aussi un peu gêné et tout ça. Il a fallu que je joue un peu avec les pièces pour que ça reste accessible. Et ne paniquez pas, hein, ici on arrive à la fin de la construction, mais il y aura quand même beaucoup plus de végétation que ce que vous voyez pour le moment. C'est juste qu'au final j'ai eu un peu la flamme de filmer à la fin, parce que j'ai l'impression que quand je filme, je me maîtrise un petit peu, entre guillemets, j'essaye de maîtriser plutôt la caméra, de pas trop bouger et tout ça, et ça fait parfois perdre pas mal de temps, hein, de réfléchir à tout ça, alors que bon, quand je filme pas, bah, je réfléchis pas et j'y vais à fond, et c'est plus rapide. Et vous voyez aussi que ici je rajoute des sortes de cavernes, hein, c'est pour suggérer finalement que l'eau passe par un certain côté. Sinon là on dirait que c'est juste un petit point d'eau et c'est peut-être un peu bizarre. Et c'est une astuce que j'ai vue chez pas mal de créateurs qui ont fait des petits châteaux avec de l'eau. Très très bonne idée d'ailleurs. Ça rend l'ensemble quand même un peu plus réaliste. Ah oui, et toute la roche que j'ai mis autour du château, ben c'est une roche qui vient du débogage de Vivre Ensemble. On en voit d'ailleurs en dehors du terrain et c'est forcément pour ça que je l'ai choisi. Mais voilà, maintenant on va se retrouver en jeu et je vais vous montrer en direct tout ce que j'ai fait. Et tada! Voilà, l'extérieur du château terminé. Bon, comme vous voyez, j'ai encore ajouté beaucoup de choses hors caméra, notamment ces plantes là qui montent sur le château. Mais pas que sur le château, hein, y en a aussi sur les petites maisons de village. Sauf que sur les maisons de village, y a pas de fleurs, voilà. C'est réservé seulement au château. Voilà, vous voyez ici, y en a un petit peu qui montent de ce côté là. Pareil de ce côté ici, mais pas de fleurs. J'imagine que ce sont encore les dernières traces de la magie du bon roi, peut-être, hein, on sait pas. Et regardez ici ce tapis rouge, j'adore faire ça, c'est trop cool. Ça donne tellement bien pour un château. Bon, par contre, j'ai pas encore aménagé tous ces espaces extérieurs, hein. Ici, j'imaginais bien pouvoir faire une petite cérémonie de mariage. Et puis alors dans le mini jardin du château, pourquoi pas mettre des tables pour manger? Et de ce côté-là, bah ce serait peut-être juste une promenade, je ne sais pas, on verra. Si vous avez des idées pour meubler ici, n'hésitez pas. Et regardez la vue depuis le haut du château, c'est trop cool. On voit bien le petit village là, c'est trop chou. Franchement, je suis trop fan de mon petit village. À la limite, je préférerais habiter dans ces maisons plutôt que dans le château, hein, vraiment. Et au niveau des façades, vous voyez que j'ai ajouté un peu de saleté partout comme ça. Ce sont des éléments qui viennent avec le pack alloué et ça donne tellement bien pour des maisons un peu anciennes comme ça, j'adore. Il y a un peu de couleur
couleurs au niveau des volets de ce côté-ci, là moins. Mais je sais pas, je trouvais que ça la rendait encore plus mignonne, cette maison. Elle est trop chou. Donc attendez, je vous montre l'intérieur. Donc dans cette maison-ci, on entre par là. Là, j'imagine que ce serait donc le salon et la salle à manger. De ce côté-là, plutôt la cuisine. Et à l'étage, on aurait une chambre et une salle de bain. Voilà, donc c'est une petite maison. On aurait pu croire que c'était dans celle-ci qu'il y aurait trois chambres, mais non. Alors à côté, on a celle-ci et vous voyez qu'il y a les étables en bas. Et donc, j'ai dû rendre accessible l'étage supérieur par un escalier extérieur, voilà. Mais au final, ça donne pas trop mal et tout. Ça prend pas trop de place dans le petit coin ici pour les chevaux aussi. Et je me dis que les box ici, ils vont rester communs. Comme ça, les propriétaires du château pourront aussi les utiliser. Donc, on va entrer dans la deuxième petite maison. Et on arrive sur une grande pièce de vie avec un escalier caché de ce côté-ci. Une salle de bain et une chambre. Enfin, de base, j'en avais fait deux chambres. D'ailleurs, j'ai laissé deux portes. Pas très intelligent. Voilà, je les avais coupées en deux. Hop. Et comme ça, on avait deux belles chambres. Enfin, belles. Pour un lit de place, c'est un petit peu limite. Donc je sais pas, je laisse deux chambres ou j'en mets qu'une? En soi, si je mets un lit de place comme ça, ça passe. Hein. Et même comme ça, faudrait juste de très fines tables basses. On aurait quand même la place pour mettre une armoire, surtout si je pousse la porte par ici, par exemple. Franchement, il y aurait moyen. Ouais, je peux laisser deux chambres. Donc ça, c'est la deuxième maison. Maintenant, on va aller voir la troisième. Et c'est celle-ci qui a trois chambres, alors que le bas est vraiment très petit. Mais je pense qu'il y aura quand même moyen de mettre la cuisine peut-être par ici, le salon par là, la salle à manger ici, et peut-être pourquoi pas encore des meubles de cuisine de ce côté-ci pour gagner un peu de rangement. Je pense que ça peut le faire. Et donc à l'étage, là on a trois chambres, mais surtout grâce au fait qu'on a une petite partie ici en plus. Et les chambres sont vraiment très grandes, hein, franchement, deux grandes chambres ici, et puis une ici un peu plus petite quand même. Et là, ce sera la salle de bain. Je trouvais que ces maisons avaient l'air toutes petites, mais au final, à l'intérieur, ça va, il y a de l'espace. Bon, maintenant je vous montre le château. Alors je me disais déjà qu'ici, je pourrais totalement faire des petites cellules, vous trouvez pas? Du coup, j'avais mis des petites portes un peu type cellule comme ça. Je mettrais pas en grise d'ailleurs. Ouais, c'est plus discret comme ça. Ouais. Bon, et maintenant quand on entre à l'intérieur, voilà le hall d'entrée. Est-ce qu'il est pas somptueux? Alors ça, c'est pas un tapis, c'est une piste de danse. Mais je trouvais que ça allait tellement bien dans cette entrée. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Alors de ce côté-là, j'imagine que ce seront des toilettes. À gauche, on entre directement dans les cuisines. C'est une sorte d'énorme couloir. Mais franchement, ça passe. C'est pas aussi petit que ça en a l'air. Regardez si je mets des plans de travail ici et que j'en mets également de l'autre côté. Franchement, ça passe. Il y a encore plein d'espace au milieu. Ça va. Ce sera quand même grand. Et de base, de ce côté-là, je voulais faire un coin pour manger. Mais en fait, je me dis que du coup, ils n'utiliseront jamais la salle à manger si je fais ça. Donc, faudra que ça serve à autre chose ici. Juste à côté, on a le grand salon. À côté, nous avons la salle à manger. Voilà. Grandiose et qui pourrait selon moi servir aussi de salle de bal en fonction de nos besoins, je pense. On a une cheminée par là et puis surtout on a une superbe vue depuis l'étage. Regardez ça comme c'est classe. On dirait le haut d'une cheminée monumentale, mais non, pas du tout. En fait, c'était juste pour cacher mon toit ici qui passait sinon à l'intérieur, mais je trouve que ça donne un petit côté de déco sympa au final. Et donc au niveau des chambres, on a l'escalier donc qui monte par ici. J'ai encore des frises qui se ramènent ici, non? Et donc ce couloir dessert une première chambre, pas très grande. Enfin, ça va. Même avec un lit de place, on a quand même encore pas mal de place, donc ça va. Mais les deux autres chambres qu'on voit ici, elles sont beaucoup plus grandes. Ça nous permettra de faire des choses un peu plus intéressantes. Et alors, on a deux salles de bain de ce côté-là. Une pour cette chambre-ci, et puis celle-ci sera partagée entre ces deux chambres. Ensuite, on a ici un grand couloir qui pourrait aussi servir, je pense, de bibliothèque. Il y aurait moyen, à mon avis, de mettre des bibliothèques ici, et puis peut-être, pourquoi pas, un petit coin ici avec des fauteuils. Et donc, par cet escalier, hop, on arrive sur une quatrième très grande chambre ici, et une cinquième plus petite ici, que j'imagine plutôt pour les serviteurs. Comme ça, ils sont proches de la plus grande chambre, et donc pas trop loin, sûrement du roi et de la reine, donc. Par contre, leur salle de bain est quand même largement plus petite. Donc voilà ce que j'imaginais pour l'intérieur. Ça nous fait quand même 5 chambres. C'est pas un super grand château, mais il est quand même largement plus grand que le Minus qu'on avait fait avant. Et puis de toute façon, sur cette petite colline, j'avais pas tellement plus d'espace, surtout si je voulais quand même un peu aménager les extérieurs. Et je trouve ces terrasses très sympas là, en arrondi. Et comme vous voyez, j'ai pas négligé l'arrière, hein, franchement. J'y ai mis aussi plein de plantes et tout. J'ai tout fait dans le détail. J'ai pris le temps. Et j'ai bien ajouté plein de plantes autour du point d'eau, de tous les côtés. Et au niveau du sol, j'ai rajouté encore des petits détails. Vous voyez des petites fleurs comme ça, du débogage. Ça vient du jeu de base, si jamais ça vous intéresse. Ça aussi, ce sont des petites pierres du jeu de base, mais ça donne tellement bien. J'adore. C'est le genre de petits détails qui font tout, je trouve. Et puis ces petits panneaux pour indiquer par où on va. J'adore. Ça fait vraiment village. Donc voilà pour l'extérieur de mon château Grandus. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses à changer ou si vous imaginez autre chose pour l'intérieur aussi. Et puis surtout, dites-moi aussi si vous préférez un intérieur médiéval ou plutôt actuel. Moi, les deux me vont, donc c'est comme vous voulez. Et comme d'hab, le commentaire le plus liké, eh ben, c'est celui que je suivrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous, et bien sûr, abonnez-vous !